the Pocket, ou presque. Marseille, vainqueur à Auxerre hier, conserve son avance de 2 points à 2 journées de la fin du championnat, avec au programme 2 matchs à domicile. Bordeaux ne peut plus compter maintenant que sur un exploit ou sur un faux pas. Une montée au forceps. Rennes accompagnera Nancy en première division la saison prochaine. À 1 minute de la fin de la dernière journée dans le groupe B hier soir, c'est Valenciennes qui était l'heureux élu. Mais à la 90e minute, Cano marquait le but de la différence devant Lorient. Notre série Coupe du Monde continue. Aujourd'hui, la présentation de l'un des meilleurs libéraux du monde, celui de la Squadra Azzurra et du Milan AC, Franco Baresi, titulaire incontestable et incontesté, chouchou de Silvio Berlusconi, deuxième au classement des Ballons d'Or cette année. Bonsoir, heureux de vous accueillir. On n'est plus très loin du numéro 500 de Téléfoot. C'est le numéro 483 ce soir. Et bienvenue au nom de toute l'équipe des sports de TF1. Avec pour commencer un coup d'envoi de la Coupe du Monde de football dans très exactement aujourd'hui 1 mois et 2 jours, Jean-Michel Larquet. Ce qui veut dire que du côté des sélections nationales, on se prépare de pied ferme là. On se prépare aux 4 coins du monde et notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors je vous propose d'aller tout de suite à Piscataway, dans le New Jersey, où les États-Unis rencontraient l'équipe de Malte. Les États-Unis qui vont l'emporter grâce à un but de Vinalda, qui va prendre Chini à défaut. Chini, le gardien de but maltais. Les États-Unis qui vont continuer leur préparation par un match contre la Pologne, puis contre Ajax d'Amsterdam. Et maintenant, nous allons au Prater de Vienne, où l'Autriche rencontrait l'Argentine. Et premier but de Zach, qui prend Pompidou à contre-pied. En basque, on dirait Taguero, Taguero, Zach. 1-0 pour l'Autriche, et sur une passe de qui vous savez, c'est Jorge Buruchaga qui va égaliser pour l'Argentine, qui est, rappelons-le, tenante du trophée. Alors nous allons revenir sur la Coupe du Monde et sur les préparatifs de la Coupe du Monde tout à l'heure avec Yves Fermin qui nous a fait un portrait de Franco Baresi. Et puis avant, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ce football italien qui est en train d'écraser complètement l'Europe. Il paraît qu'il pourrait y avoir la saison prochaine 9 équipes italiennes, si tout va bien pour les Italiens, en fonction des résultats, 9 équipes italiennes sélectionnées en Coupe d'Europe, ce serait monstrueux. Oui, à une seule condition, je crois, si j'avais vu le Guerin Sportif ou la Gazzetta, c'est que l'équipe gagnante de l'UEFA soit repêchée au titre de je ne sais trop quoi. Mais enfin, il pourrait, en tout cas, 8, c'est sûr. 8, c'est sûr. C'est pas mal. C'est déjà énorme, c'est pratiquement la moitié de la première division. La moitié, puisqu'ils sont 18 maintenant. Alors, cette semaine, Jean-Michel, la Juventus a pris une sérieuse option sur la Coupe de l'UEFA, et on peut dire même qu'il y a eu une finale aller absolument remarquable à tout point de vue. Oui, avec un petit peu de violence, et heureusement qu'il y a eu un bon arbitre, c'était l'Espagnol Monsieur Aladren. Ça s'est passé au Stadio Comunale de Turin, où la Juventus, lors du match aller, rencontrait donc la Fiorentina, qui, vous en souvenez, avait tombé Sochaux et Auxerre, et sur un débordement de Schillaci, but de Gallia. Gallia qui avait marqué le but de la Juventus contre le Milan AC en Coupe d'Italie. Égalisation sur une superbe tête plongeante de Buzo, l'avant-centre de la Fiorentina. On joue depuis 10 minutes et les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Buzo n'a pas marqué beaucoup de buts, il est heureux. Mais tout va basculer rapidement en un quart d'heure en seconde période avec une grosse faute sur un défenseur de la Fiorentina de la part de Casiraghi. Casiraghi qui reprend ses ballons et marque le deuxième but. Mais effectivement, il y avait une poussée à l'intérieur de la surface de réparation. Monsieur Soriano Aladren validera tout de même le but. Et c'est en fin de rencontre que la Juve va réaliser le break grâce à un but de son défenseur De Agostini, l'arrière gauche international, qui prend Landucci à défaut. Landucci qui n'a pu se saisir de ce ballon. Le match retour aura lieu le 16 mai, Roger, mais on ne sait pas encore. Toujours pas, à cause des travaux.
Oui, à cause des travaux et surtout à cause du terrain de Perugia qui a été suspendu. Très bien. On reste en Italie avec notre série Coupe du Monde et comme promis, le portrait de Franco Baresi. Alors, il était jusqu'à l'an passé le plus gros salaire du Milan AC, mais malheureusement pour lui, mais peut-être aussi heureusement pour le Milan AC, les trois Hollandais ont re-signé. Et cette année, alors que par le passé, Beckenbauer était le seul à avoir obtenu, le seul défenseur à avoir obtenu un ballon d'or, cette année, il a terminé deuxième derrière Van Basten. Franco Baresi a un frère qui lui aussi joue à Milan, mais pas sous les mêmes couleurs. Yves Kupfermak. Coupe du monde de football, tout le spectacle sur TF1. Vivez avec Agfa au cœur de l'événement. Agfa, les images de l'exploit. Toute la passion et les stars du mondial. Italia 90 avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, sponsor officiel. Monstrueux temple élevé à la gloire du dieu football, le stade San Siro attire depuis plusieurs générations les jeunes footballeurs du nord de l'Italie. Tous rêvent de descendre un jour des monumentales tribunes pour entrer dans l'arène. Un rêve que Giuseppe et Franco Baresi ont réalisé à la fin des années 70. À gauche, Giuseppe, l'aîné, 32 ans, arrière latéral. À droite, Franco, le cadet, 30 ans, libéraux. À 15 ans, Giuseppe opte pour la tenue bleue et noire de l'Inter où il effectuera toute sa carrière. 6 mois plus tard, Franco est recruté par le camp d'en face, les rouges et noirs du Milan AC. Deux destins presque parallèles qui s'entrecroisent deux fois par an lors des fameux derbys Milan AC Inter qui enflamment toute la Lombardie. Fidèles parmi les fidèles, dans ces occasions, les Baresi n'ont plus qu'une famille, leur club. Petit, j'ai toujours été supporter du Milan AC. À cette époque, Rivera était mon idole. Malgré un petit gabarit, Franco gravit un à un tous les échelons qui mènent à la première division, où il débute à 18 ans. Il joue alors aux côtés de son idole Gianni Rivera, qui lui termine sa carrière. Ensemble, ils sont champions d'Italie en 79. Avec Milan, Baresi a tout connu, la gloire, puis l'enfer, avec en 80 la relégation en Serie B pour un match truqué dans le célèbre scandale du Toto Calcio. La remontée en première division et la rechute, enfin l'arrivée de Silvio Berlusconi et avec lui d'une pléiade de stars, ce qui débouche en mai dernier sur le chef-d'œuvre de Barcelone. Image symbole, les stars portent en triomphe Baresi et la Coupe des clubs champions. Dans le championnat d'Italie, il y a beaucoup de grands joueurs comme Maradona ou Careca. Pour ma part, j'ai la chance d'évoluer à Milan avec certains des meilleurs joueurs du monde, comme Gullit, Van Basten ou Rijkaard. À leur côté, j'ai le sentiment d'avoir énormément progressé. Si aujourd'hui Baresi est lui aussi considéré à son poste comme l'un des meilleurs du monde, il le doit, c'est sûr, à l'ascension de son équipe. Sa progression a été parallèle à celle du Milan, dont il est l'une des pièces maîtresses. Baresi est avant tout un défenseur à l'italienne, rigoureux, impitoyable s'il le faut, toujours bien placé et doté d'une remarquable rapidité d'intervention. Mais il est aussi et surtout un libéro ultra-offensif qui n'hésite jamais à prendre des responsabilités en venant balle au pied prêter main forte à son milieu de terrain, voire à ses attaquants. Il peut ainsi soit orienter le jeu avec des ballons en profondeur ou latéraux, soit créer le surnombre et permettre, comme ici, à Marco Van Basten de marquer. Joueur aux multiples facettes, il est le principal élément du système défensif original mis en place par Arrigo Sacchi. A l'inverse de la plupart des équipes italiennes qui évoluent avec un libéro très décroché, le Milan AC joue leur jeu avec une défense en ligne qui pratique le pressing dès la perte du ballon, et ce, quelle que soit la zone du terrain. Baresi commande la manœuvre, ici le pressing simultané de toute la défense permet de mettre hors jeu Bosman, l'attaquant de Malines. Un système qui requiert d'énormes qualités et dont Baresi est le joueur type. Je crois que toutes les équipes peuvent appliquer notre style de jeu, mais il faut avoir des joueurs qui adhèrent totalement à ce système et qui surtout possèdent de grandes qualités physiques et techniques. On pratique un football que peu d'équipes appliquent en Italie et ailleurs. Un jeu très moderne avec une zone presse très difficile à réaliser car chaque défenseur est amené à défendre et attaquer. C'est un jeu moderne valable pour contrer les meilleures équipes européennes.
Si aujourd'hui Franco Baresi est aux côtés de ses coéquipiers milanais Donadoni, Maldini et Ancelotti, un titulaire indiscutable de la Squadra Azzurra, il n'en a pas toujours été ainsi. 9 fois sélectionné seulement, entre 82 et 86, il n'a jamais eu la confiance d'Enzo Berzot qui voulait faire de lui un milieu de terrain. Depuis l'arrivée de Vicini, Baresi n'a raté qu'une seule rencontre internationale, ses 39 sélections, lui permettant d'attendre le mondial avec une certaine sérénité. Je ne crois pas que l'Italie soit favorite du mondial. Notre objectif est pour le moment de bien nous comporter. Pour moi, les favoris sont le Brésil, l'Argentine ou les Pays-Bas. Ils ont une plus grande expérience. Ils ont surtout de plus grands joueurs que nous. Nous, nous serons peut-être la surprise. Enfin, nous l'espérons. Avec la Squadra Azzurra ou avec Milan, Baresi fait l'unanimité. Dans l'ombre des stars, c'est souvent lui qui montre l'exemple. Lui, le chef d'orchestre. De football, tout le spectacle sur TF1. Vivez avec Agfa au cœur de l'événement. Agfa, les images de l'exploit. Toute la passion et les stars du mondial. Italia 90 avec Mars, la barre champion. Mars et M&M's, sponsor officiel. Voilà, Franco Baresi, que nous avions eu le plaisir de recevoir ici même, sur ce plateau, avec nos amis de France Foot pour les Ballons d'Or. Il avait été très sport, puisqu'il avait terminé deuxième, et ceci avec beaucoup de bonne humeur. On revient en France avec les quarts de finale de la Coupe et avec les qualifications de Saint-Étienne-Montpellier, l'OM et le RP1. La surprise, bonne surprise pour le RP1 et ses supporters, moins bonne pour les Girondins. On revient sur cet événement avec Marianne Macco. Peu d'occasions au Parc des Princes pendant tout le match jusqu'à ce que Touvenel s'effondre généreusement dans la surface de réparation. Transformation de Denbourg, Bordeaux à un quart d'heure de la fin est qualifié. Dernière minute de jeu, Olmeta en violet monte sur corner parisien, il menace Bell contre Bordelais et Sobrinho reprend de volée, égalisation. Prolongation, puis tir au but, raté de Lizarazu, Bade doit absolument réussir pour qualifier Paris. C'est chose faite. On a encore assisté à de nombreux démarrages de Waddle à Cannes. Quand il centre, il cherche souvent, très souvent, Jean-Pierre Papin, n'est-ce pas? Mais Marseille abordait ce match prudemment et peut-être un petit peu fatigué. Sur ce corner, Luis Fernandez stupéfie l'assistance avec ce tir sur la barre. Toujours 0-0 quand Papin obtient un pénalty concédé, paraît-il, par Luis Fernandez. Pas très évident. JPP s'élance. Deuxième surprise. Une barre, il est effaré. Et le match termine sans but. À Cannes aussi, on repart pour une demi-heure de prolongation et tout bascule en 10 minutes. Coup franc de Sauzet. Comment voulez-vous arrêter ça? 2 minutes plus tard, Waddle ne déborde pas pour une fois, mais glisse subtilement à Philippe Vercruis, ce qui se transforme en ballon de but. 2-0 pour Marseille. Dernière minute, Chris Waddle, tout seul au milieu du terrain, s'évade. Que faire devant le joueur le plus en forme du championnat quand il arrive tout seul sur vos buts, sinon s'incliner devant le troisième? Le seul club de deuxième division encore qualifié, Avignon avait fière allure devant Montpellier, même si Cantona a tiré sur le poteau, puisque sur l'action suivante, Kuben s'est retrouvé seul devant Rust, mais stoppé en fin de course. Montpellier a attendu les 5 dernières minutes pour foudroyer Avignon. Pas de chance, Xvereb était hors jeu. Ici, il transmet à Eric Cantona. Son centre trouve Guérin et Montpellier se qualifie par un but à 0. Très peu d'action entre Mulhouse et Saint-Étienne jusqu'à ce que Stéphane déborde dans les 10 dernières minutes pour Stojkovic. 1-0 pour Mulhouse.
Plus que 5 minutes à jouer, Fournier pour Saint-Etienne lance Vitschge. Il lobe le gardien Sens et égalise. Même cas de figure au Parc des Princes entre le Racing et Bordeaux. Nous repartons vers des prolongations. Cinquième minute, un coup franc pour Pierre Aon. Centre de Tibeuf pour Étienne Mendy et reprise de volée. Et surtout but, Saint-Etienne est pour l'instant qualifié. Juste avant la fin de cette première prolongation, Mulhouse attaque une dernière fois. Tête de Karncevic pour Sliskovic. Retourné, il se lobe lui-même et Beaufreton en même temps. 2-2, ici aussi tir au but. Une première série parfaite, puis Marc Keller craque le premier. Il est pourtant l'un des meilleurs joueurs mulhousiens du moment. Philippe Sens ne peut rien ensuite sur le tir de Pierre Aon. Saint-Etienne se qualifie pour les demi-finales. Et cette semaine, dans nos locaux, notre consoeur Anne Sinclair a effectué le tirage de ses demi-finales. Marseille souhaitait rencontrer le Racing Paris 1, c'est fait. Saint-Etienne affrontera Montpellier, tout ça sur un seul match. On verra donc le 26 mai, Marseille. Elle a été formidable, Anne Sinclair, au tirage au sort. On en arrive au championnat, et avant de parler de la 36e journée, nous revenons sur la 35e journée pour savoir quels ont été les 4 meilleurs joueurs de cette 35e journée, selon l'ordinateur. C'est le carré d'As, commentaire Frédéric Jaillant, le spécialiste. Quatrième, le Sochalien Hadzi Bejic. À près de 33 ans, il possède une formidable expérience payante dans la relance, le placement et les coups francs. Contre des Lillois qui ne l'ont guère bousculé, il fut irréprochable. Troisième, le milieu de terrain du RP1, Bouderbala. Il est vif et il a un formidable sens du dribble. Ce qui lui permet parfois une simple conservation du ballon comme ici. Et ce qui lui ouvre d'autres fois d'énormes brèches dans les défenses adverses. Bouderbala peut également frapper. Le Marocain est décidément un sacré joueur. Deuxième, un habitué, l'Auxerrois Enzo Schifo. Contre le Paris Saint-Germain, il a donné dans son registre habituel dribble, court de préférence et démarquage des partenaires. Il fut une nouvelle fois le patron. Schifo, samedi dernier, avait emmené Auxerre vers sa 7e victoire consécutive. Enfin, premier, le Toulousain Franck Passy en blanc. Ce défenseur fut intraitable contre Cannes, mais il a également participé au jeu, prenant ses responsabilités, comme en témoigne, par exemple, ce pénalty. Au classement général du carré d'As, pas de surprise, le premier plus que jamais demeure Schifo, mais la grande nouveauté est l'arrivée de Chris Waddle. Le Britannique profite là du match en retard qu'il a joué avec l'OM à Saint-Etienne et où il fut remarquable. Waddle à 80 points de Schifo, puis troisième Périlleux à 112 points. Rappelons qu'un but par exemple vaut 12 points. Quatrième, Gérald de Passy. Et à signaler enfin que si Waddle devient premier au classement offensif, Papin, lui, est quatrième. Les détails sur votre Minitel. Voilà, et si vous voulez tenter de classer les 4 meilleurs de la 36e journée, celle que nous allons voir maintenant, eh bien vous allez dans les magasins Lahut ou Intersport, les centres Lahut Intersport, vous enlevez vos bulletins, vous les remplissez et de cette manière vous pouvez gagner des ballons Etrusco, des équipements Adidas et également des places pour la demi-finale de la Coupe du Monde qui sera disputée à Turin. Et nous en arrivons à la 36e journée. Vous savez que les dernières journées de championnat sont toujours dramatiques et elle a été la 36e pour le RP1 devant Caen. Caen qui s'est sorti de la zone rouge devant le héros de la Coupe de France. Nous revenons sur cet événement avec Pierre Thauré. Si l'une et l'autre des deux équipes attendaient de cette rencontre le miracle qui lui tiendrait la tête hors l'eau trouble de la relégation, il n'en allait pas de même pour l'amateur de bon football en présence de joueurs trop préoccupés par l'importance de l'enjeu. Mais Dieu soit loué, il y avait Olmeta et cela suffisait. Promu superstar par sa géniale foucade face à Bordeaux, le gardien parisien se mettait ainsi plusieurs fois en évidence face à une attaque normande particulièrement brouillonne et malhabile, tandis que devant lui, sa propre défense, si elle flottait dangereusement, ne sombrait cependant pas. Côté attaque, les Racingmen sur coup franc de Bouderbala ne proposaient guère à Montagnier que cette occasion d'y aller lui aussi d'une belle envolée dont l'attrait spectaculaire ne pouvait faire oublier, pas plus qu'un dernier arrêt décisif du collègue, la pauvreté du débat.
Malgré l'indulgence et la sympathie qu'on leur devait dans la difficulté, il fallait bien convenir, au terme d'une première mi-temps d'une insigne médiocrité, que Normands et Parisiens n'avaient fait que justifier, malheureusement, une situation dramatique qui les condamnait à s'entrebattre pour la survie parmi l'élite. Et le débat reprenait sur un même mode âpre et parfois rude, mais sans plus d'inspiration ni d'élégance, jusqu'à la 63e minute où Rix, depuis le milieu du terrain, lançait en profondeur sur l'aile Fabrice Diver et c'était tout à coup l'embellie. Je suis sur le côté, je vois que je ne peux pas centrer, donc je rentre dans à l'intérieur des 18 mètres, vers l'intérieur, et puis bon, je crochette deux fois un défenseur parce que je ne peux pas frapper, et puis sur le deuxième crochet, je m'ouvre le chemin du but, donc j'ai plus qu'à frapper, donc instantanément, j'ai pas réfléchi, j'ai frappé, c'est parti tout droit. Un but d'auteur, le 14e pour l'avant-centre Canet, peut-être le but du salut pour le Stade Malherbe, comme celui, fameux encore dans les mémoires normandes, marqué l'an passé lors d'une dernière rencontre capitale contre Lens à la 92e minute par le même Diver, qui aura bien mérité ce gros bisou chargé symboliquement de l'affection et de la reconnaissance de toute une région. Voilà, nous ferons les comptes sur cette journée de championnat de France tout à l'heure avec Frédéric Jaillant et Jean-Michel Larquet. Auparavant, nous verrons tous les autres buts, cette 36e journée. Et puis nous parlerons de la dernière journée du championnat de 2e division dans le groupe B et la montée à l'arraché de Rennes. Et enfin, nous n'oublions pas, bien entendu, les buts étrangers. Vous restez avec nous, une page de pub, on se retrouve tout de suite après. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Retour à la 36e journée du championnat avec la lutte pour l'Europe et puis celle pour éviter la relégation. Ensuite, nous étudierons les cas respectifs de Bordeaux et de l'OM. Mais tout d'abord, retour en image sur la soirée d'hier avec Dominique Grimaud et Martin Tsara. Paris en course pour une place européenne s'est fait surprendre hier soir par Nantes qui a réalisé là l'un de ses meilleurs matchs de la saison. En première période, les occasions sont toutes en faveur des Canaries et c'est logiquement que ces derniers ouvrent le score après un quart d'heure de jeu. Un ballon perdu par Pérez aux 30 mètres, Edli poursuit son action, passe Joël Batz et inscrit là le premier but nantais. Dans la foulée, le PSG manque de peu d'encaisser un second but sur une nouvelle occasion nantaise. Le tir de Joël Henry est bien repoussé par le gardien parisien. Mais Batz ne pourra rien faire après une demi-heure de jeu sur cette montée de Desailly. Belle action collective nantaise. Jakob Lévic laisse intelligemment passer. Robert décale Joël Henry. Deuxième but nantais, ô combien mérité. La réaction parisienne est longue à venir. Il faut attendre les dernières minutes de cette première période pour voir le PSG dangereux. Notamment grâce à ce tir de Daniel Bravo, repoussé par David Barrault. En deuxième période, Paris prend enfin l'ascendant sur la rencontre. Suzy pour Pérez qui ouvre pour Simba rentré après une demi-heure de jeu. Centre de ce dernier repris par Vujovic. Le PSG n'est plus mené que 2-1. L'égalisation après l'heure de jeu, coup franc de Suzy, tête de l'inévitable Simba. Quatrième but en 6 matchs du franco-guinéen. Un but qui permet à Paris d'arracher le match nul. Mais l'Europe s'éloigne encore un peu plus. Un seul objectif pour Monaco qui recevait Metz, sa qualification pour la Coupe UEFA, le ballon dans les pieds de Puel, pour Dib, un centre, une reprise manquée de Diaz et Wea, seul, qui manque la cible. Monaco n'est pas en veine, Mendy pour Clément, ouverture de Ferrage pour Diaz et l'Argentin qui s'avance et qui frappe sur le poteau. Enfin la délivrance, Fofana est rentré, une passe en profondeur pour le jeune Clément, celui-ci s'avance et ne laisse aucune chance à la main, 1-0. Le match va se terminer sur une bien curieuse danse devant les buts de Monaco et Torry s'en sortant plutôt bien. Pas grand chose en première période, il faut attendre le repos pour voir le match enfin s'emballer. 55e minute, Carrasco s'en va sur la gauche, le joueur catalan passe de Stéphanois. Un petit centre parfait pour Lada, une reprise magnifique de ce dernier, Sochaux mène 1-0. Saint-Etienne court après le score, domine mais ne se crée en fait que peu d'occasions. L'une des plus nettes, celle-ci qui échoue sur Rousset. Mais à 13 minutes de la fin, Sochaux ajoute un second but, répétition du premier. Carrasco pour Lada qui élimine De Guerville. Tir croisé du Sochalien, score final 2-0.
Toulon-Lille où deux équipes en quête de points, un seul suffirait à leur bonheur. Les premiers en action sont les Toulonnais, passe en profondeur pour Revel, mais Thomas le fauche à l'entrée de la surface. C'est le pénalty, un pénalty transformé par Milos Bursak. C'est son 15e but cette saison. Et puis en fin de première mi-temps, long dégagement de Nadon. La défense toulonnaise cafouille à l'image, on va le voir, de Philippe Anziani. Anglemar récupère et glisse le ballon sous le corps de Songo. Un partout. Anglemar dans les bras de Pelé, le tour est joué. Malgré cette tête lobée de Bursak, Lille et Toulon ont sauvé leur place en division 1. Départ ultra rapide des Brestois, on joue depuis seulement quelques petites secondes. Laurent Blanc tergiverse, il n'a plus d'autre solution alors que de retenir Salah. Pénalty pour les Bretons, un pénalty transformé par Ferrer. C'est à Montpellier ensuite de faire le jeu. Brest est privé de Cabanias, Bucher, Van Erpen, Canet. Et cinquième minute, Cantona est à deux doigts d'égaliser. Son tir est repoussé sur la ligne par Colter. 20e minute, cette fois Canto réussit là où il avait échoué un quart d'heure plus tôt. Accélération de Guérin, la défense brestoise monte sur lui. Cantona se retrouve tout seul. Son tir passe entre les jambes de Barabé. Avec le point du match nul, Montpellier et son président ont désormais d'autres objectifs. Vous avez été un grand joueur, malheureusement vous n'avez jamais gagné de Coupe de France. Est-ce que vous pouvez espérer gagner une Coupe de France en tant qu'entraîneur de Montpellier? Alors, je réponds très facilement, mon cher Loulou, cher président. Non. Alors, je vais partir en couille comme il faut. Je souhaite que nous gagnerons la Coupe de France et que mon président, avec son maillot et son brassard de capitaine, pourra embrasser Mitterrand et prendre la Coupe de France. Voilà. Pas d'autre alternative pour les Niçois de Carlos Bianchi que de prendre au moins un point à Cannes, mais pas de chance pour eux. Juste avant la mi-temps, suite à ce centre de Ravera et ce coup de tête de Sassus, Mingual récupère le ballon et marque d'une jolie frappe dans la lucarne de Pifto. En seconde mi-temps, et tandis que Cannes souhaite se mettre à l'abri, Yannick Stopira est victime en pleine course d'un claquage. Saison terminée pour Stop. En fin de match, Nice par Bokandé et Langers jettera toutes ses forces pour égaliser, mais il est des soirs maudits, voyez plus tôt. Nice va devoir se battre et vivre dans l'angoisse jusqu'au bout. Véritable festival offensif à Mulhouse. Troisième minute, les Alsaciens ouvrent le score. Sur cette longue balle en profondeur, Priou inscrit le premier but d'une longue série. Mulhouse mène 1-0, mais juste à peine le temps d'effectuer la remise en jeu. Bouafia remet les deux équipes à égalité. Dixième minute sur un contre lyonnais mené par Rémi Garde. Kabongo s'échappe sur la droite, accélération du Zaïrois. Lyon mène 2-1. Mulhouse revient au score sur un pénalty réussi par Eddy Krencevic. De partout, c'est le score au repos. Juste après la reprise, Fichot est expulsé pour cette faute sur Bouafia qui partait seul au but. Fichot avait déjà reçu un avertissement en première période. Carton rouge justifié donné par M. Quignot. Quelques minutes plus tard, Lyon reprend l'avantage grâce à une tête de Bilons. À 10, Mulhouse pourtant égalise de nouveau sur ce coup franc splendide tiré par Šiškovič. Šiškovič qui avait auparavant remplacé Zimmermann. Il reste alors 7 minutes à jouer quand Bouafia s'en va tout seul. Le Lyonnais est déséquilibré dans la surface. Pénalty d'après M. Quignot. Lyon mène de nouveau au score, le pénalty étant transformé en force par Kabongo. Mais à 4 minutes de la fin, Mulhouse arrache l'égalisation. Centre de Šiškovič, tête de Priou, match nul, 4 partout, et ce point perdu à domicile enfonce un peu plus Mulhouse. Eh bien Bordeaux s'accroche, Bordeaux résiste, Bordeaux sera européen, c'est certain, la saison prochaine, Pascal Pro. Mais alors je me demande, moi, si Raymond Goethals tient les mêmes propos à ses joueurs qu'à la presse, à savoir les carottes sont cuites, on restera deuxième, le championnat, c'est foutu.
Quoi, maintenant, on peut effectivement penser que c'est le discours qu'il tient parce que c'est définitivement cuit. Ce qui est vrai, c'est que durant le dernier mois, sans doute que Raymond Goethals avait dit ça uniquement pour la presse. Mais moi, on peut peut-être en reparler s'il y a une inversion de vapeur pendant les deux dernières journées. Pourquoi pas, il y a des miracles, hein, toujours possible. Mais je vais vous parler surtout des bruits de transfert qui alimentent les couloirs bordelais parce qu'on annonce la grande lessive du côté de la Gironde. Alors Bernard Pardoe serait partant certain. On en parle à Marseille, paraît-il. Paraît-il à Marseille. Ne dites à personne. Serait également partant Pete Denbourg et Jean-Philippe Durand. Baptiston et Bell rempliraient tous les deux. Mm-hmm. En revanche, il y a un cas sur lequel on va statuer à Bordeaux prochainement, c'est celui de Jean-Marc Ferreri. Il est très demandé par les clubs étrangers, notamment par beaucoup de clubs français. Le président Béz lui a proposé de re-signer pour 5 ans et Ferreri donnera sa réponse dans le mois. Voilà, Roger. Très bien. Dit. Il est peut-être temps de voir les images maintenant. Voilà. Merci, Pascal. Les images. Le derby du Sud-Ouest et 30 000 personnes au Parc Lescure. Les derniers mauvais résultats des Girondins n'ont pas chassé les supporters bordelais. Il est vrai, cette saison particulièrement choyée. Lorsqu'on est footballeur, on est très poli. Bonjour, monsieur l'arbitre, ça va bien ? Ah, bonjour, monsieur l'arbitre, vous allez bien ? Cinquième minute de jeu, Franck Passy, annoncé partant de Toulouse pour Basse-Terre qui cherche un appui avec Marsico. Superbe remise du plat du pied de l'Argentin pour Basse-Terre qui se présente seul devant Joseph-Antoine Bell. Mais Jean-Christophe Tounel, bien revenu, dégage en corner. Quatre minutes plus tard, Gérald Passy pour son frère Franck. Les Toulousains dominent incontestablement ce début de rencontre. Kidia Touline dans le trou pour Gérald Passy à la limite du hors-jeu. Il attend l'arrivée sur sa droite de Beto Marsico qui arrive comme un bolide qui va marquer. Non, il tire beaucoup trop fort et la balle passe à côté. Paradoxalement, les Bordelais trouvent les premiers la faille. Coup franc de Klaus Allos. Et 13e but de la saison pour Ferreri, ce qui fait de lui le 3e buteur bordelais derrière Denbourg et Allos. Mais Ferreri a un avantage sur les autres. Lui, en plus, il donne 9 balles décisives cette saison. Mais attends, parce que Kouékou va aller à Lourdes. Parce que... parce qu'on a fait un gros pari depuis 2 ans. Donc tu nous le dis, ça. Il me dit qu'il m'a toujours dit, si tu marques un but de la tête, Jean-Marc, je vais à Lourdes en vélo. Et ce soir, manque de peau, j'ai marqué de la tête, mais il n'était pas là. Mais je vais le choper dès demain, il ira à Lourdes en vélo. Ferreri dans ses œuvres après ce ballon de Bernard Pardoe. Ferreri en rupture glisse pour Jean-Christophe Touvenel. Mais un peu comme Marsico tout à l'heure, il a tenté le passage en force et ça ne marche pas. 37e minute, ça va marcher pour Bordeaux. Bernard Pardoe dans le trou pour Ferreri qui prolonge pour Allos, serré de près par Despérou. Mais l'Allemand trompe Robin Huck, 14e but cette saison et quelle protection de ballon de l'Allemand de l'Ouest. C'est également remarquablement bien vu de la part de Ferreri. Fin de mi-temps, Paillard sur sa droite pour Basse-Terre, lequel a très souvent gêné Didier Sénac. Pourtant ici, il n'y a absolument pas faute de Sénac. Monsieur Blouet siffle néanmoins coup franc. Il est tiré par Paillard, une première tête d'Hernandez, une seconde de Gérald Passy. Et Toulouse revient au score, 2 buts à 1 à l'issue de la première période. Un seul carton jaune sorti par Monsieur Blouet, Jean-Luc Dogon averti. Et la deuxième période débute une nouvelle fois avec des occasions toulousaines. 1-2, Debève, Gérald Passy. Debève encore seul devant Joseph-Antoine Bell qui est remarquablement sorti. Alors que sur la touche, durant toutes ces 45 minutes, Raymond Goethals s'est passablement agité, il y avait de quoi. Nouvelle occasion toulousaine. Au départ, un superbe ballon de Beto Marsico pour Paillard qui lui encore se retrouve seul devant Joseph-Antoine Bell. Bell détourne et Pardoe a pu mettre en corner. Durant ces 45 minutes, les Bordelais ne seront dangereux qu'à 2 reprises et curieusement dans la même minute. Tout d'abord à la suite de ce coup franc et de cette combinaison entre Bernard Pardoe, Klaus Allos et le tir de Pete Denbourg. Corner. Et sur ce corner, Jean-Marc Ferreri trouve la tête au second poteau de Didier Sénac et une superbe manchette de Robin Huck. 2 buts à 1, score final, fin de match plaisante, même si au retour des vestiaires, il y aura quelques mots doux échangés entre Paillard et Didier Sénac sans beaucoup de gravité. Ah oui.
connard, voyou, enfin, sans gravité. Oui, c'est un peu l'énervement. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'apprends ? Vous êtes partis en couple à Auxerre, tous les deux. Je suis parti avec la petite Marianne. Oui, Auxerre, Marseille, maintenant, avec le couple de l'année, donc Dominique Grimaud, Marianne Macaud. Marianne, Auxerre, pardon, pourquoi Montpellier ? Auxerre, fin d'une série de victoires hier soir devant le leader du championnat. Oui, oui, il y avait une très belle série, 7 matchs consécutifs avec des victoires, et notamment 2 victoires à Bordeaux et à Monaco, ça faisait beaucoup. Les Marseillais pouvaient avoir peur, et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux pensaient qu'un résultat nul suffisait, ça aurait été déjà un bon résultat. Alors on sait que Marseille venait pour gagner, pour essayer d'être confortable pour ce titre, mais il ne faut pas oublier qu'Auxerre jouait toujours pour l'UEFA, pour une qualification, mais là, c'est sûrement passé à côté. Alors Dominique, l'OM, oui, je vois que ça va très très bien. L'OM a mis du temps hier soir pour faire la différence. Est-ce que vous êtes aussi sûr que l'OM peut éviter le faux pas à domicile lors de ces deux prochaines rencontres ? Je pense que les Marseillais n'étaient finalement pas si rassurés que cela hier. Ils ont fait le coup de canne, donc ils ont bien joué. On a tout dit sur Marseille, c'est la meilleure équipe, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur public, c'est la meilleure attaque. Je ne dis pas que c'est le meilleur président, parce que là j'en ferai un peu trop. Oui. Restons impartial. Non, je crois que Marseille maintenant est à l'abri, Marseille est champion. Et je crois que sur ce que Marseille a fait depuis le début de saison, c'est plus que logique. On va aller assister donc au résumé de cette rencontre Auxerre-Marseille. Commentaire Dominique Grimaud, Marianne Macaud. Formidable. 22h15 hier soir au stade de l'Abbé Deschamps à Auxerre, gros plan sur Papin, Papin dans les bras de Carlos Moser, touchant, puis Papin dans ceux de Tigana, émouvant, puis enfin Papin dans ceux de Francescoli, charmant. Papin c'est l'OM et l'OM c'est du pain béni pour le football français, l'OM en route pour son 2e titre consécutif. Ce soir, on l'a démontré, je pense qu'on forme un groupe très uni et avec les ambitions qu'on prédit à l'avance, on a besoin de se sentir ensemble pour se sentir plus fort. On nous considérait tous très fatigués et puis je crois que... Vous étiez fatigué ? Bon, on était fatigués certes, mais je crois que dans des matchs comme ça, la fatigue on l'oublie. Et quand on a un titre de champion de France au bout des 90 minutes, je crois que même si on est fatigué, on arrive quand même à courir. Retour en arrière, 20h30, un stade trop petit pour la dimension de l'événement. Auxerre, c'est l'évidence, mérite aujourd'hui un stade digne de son palmarès. Mais Jean-Pierre Soisson l'a promis à Guy Roux, l'homme qui a bâti la JA, pierre après pierre. Et déjà, Papin et Bolly au coude à coude, le match s'annonce serré. 1 minute 30 de jeu et déjà Chris Waddle en action. Un coup franc, un coup de pied en force et Bruno Martini à plat ventre. On se rend mieux compte au ralenti du danger que représente chaque tentative de l'Anglais. La méthode Giroud pour neutraliser Marseille, chacun le sien. Mazzolini sur Francescoli, Daras sur Papin, Barret sur Waddle. Pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon, réduit souvent à balancer des balles hasardeuses en profondeur. Le marquage s'effectue très haut et seul Sauzet, monté de sa ligne arrière, bénéficie d'un peu d'aise pour venir dans les 30 mètres, mais il lui manque de la précision. Il faut attendre la 12e minute pour voir Auxerre se dérouiller. Le premier à tenter sa chance est Enzo Schifo. Il résiste à Germain, s'infiltre tout droit, mais Germain revient, la balle à Rousseau, non. Coquard intercepte et le ballon flirte avec la ligne de but marseillaise. Premier frisson. Le deuxième frisson sur ce coup franc de Schifo pour la tête de Claude Barret, mais à côté. Les Marseillais progressent, suivis de leurs ombres. Barret arrête Waddle, le genre de faute qui peut coûter très cher si près de la surface. Coup franc pour Waddle, Papin lui indique « tire sur moi en force » et hop, il s'esquive, laissant un trou dans le mur. Cette feinte est un classique des deux Marseillais désormais et Martini n'a pas été surpris. En fin de première mi-temps, le débat s'équilibre. Auxerre prend enfin confiance. Kovacs s'échappe sur l'aile droite, mais il est rattrapé et stoppé net par Carlos Moser. Le public verra un pénalty à tort. Le ralenti montre que Moser joue d'abord le ballon avec une grosse énergie. Il est bien vrai. Première vraie balle d'attaque de Jean-Pierre Papin à la 26e minute. Au centre, l'ami Chris Waddle, mais Martini vigilant bondit au milieu de Bolly et de Barret. Sauzet emprunte encore son boulevard sur la gauche, son tir est cadré, mais Basile Bolly le contre, comme il contre celui de Francescoli. Sauzet reprend à nouveau trop mollement. Sauzet est pour l'heure le seul joueur marseillais à disposer d'autant de liberté. C'est dû un petit peu
à la tactique choisie par, par Auxerre. On sait que ce sont des joueurs qui ont que la santé, qui pratiquent un marquage individuel. Donc, de par le, les mouvements des attaquants et des milieux de terrain, c'est vrai que souvent, que ce soit Carlos ou Manu ou moi, on a eu la possibilité de s'intercaler au milieu et on en a profité de façon à essayer d'amener un petit peu le surnom dans leur défense. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et pour en finir avec cette mi-temps, à noter encore ce bon tir de Jean Tigana, suivi d'une montée pleine de décisions de Manuel Amoros, on note alors le pressing de l'OM. D'habitude, nous sommes toujours premiers sur la balle et nous fournissons un pressing sur le porteur du ballon. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont joué très bien tactiquement, ils nous ont mis en difficulté. Ils ont toujours été, on avait l'impression qu'ils étaient en supériorité numérique. Enfin, ils ont fait le match qu'il fallait, quoi. Et oui, Auxerre obtiendra bien avant la mi-temps un coup franc. Vignola vise la tête de Darras, mais les Auxerrois auront eu bien peu d'occasions dans cette période. Disons qu'on a essayé de les user physiquement, hein, car ils faisaient un marquage individuel, alors on a essayé de faire courir le ballon et faire un décalage pour leur permettre de se dépenser. Et en deuxième mi-temps, on a pu accélérer parce qu'ils étaient moins frais physiquement. Seconde mi-temps donc, et un nouveau coup franc travaillé de Chris Waddle. La balle très liftée monte, elle est destinée à Bruno Germain, mais Martini a de la détente. Auxerre réagit désormais par intermittence. Ici, Mazzolini pour Guerrero à l'intérieur. Guerrero tente sa chance, mais il aurait fallu beaucoup plus pour inquiéter Rousseau. Et Auxerre a du mal à tenir le ballon. Interception de Manuel Amoros. Il croise sa course avec Papin. On s'attend à une remise en 1-2 et Papin tire immédiatement. Il compte sur l'effet de surprise. Et sans la manchette de Bruno Martini, la balle glissait sous la barre. Cette fois, l'OM a passé la vitesse supérieure. Meuser ici pour Waddle. L'Anglais remet à Meuser. Guerrero est le premier éliminé avant que l'ami Bolli ne pique du nez dans l'herbe. Meuser a bien joué, mais Francescoli rate sa chance. Qu'à cela ne tienne, l'Uruguayen obtient sa revanche quelques secondes plus tard. Après cette remise de Meuser, il élimine deux adversaires et frappe superbement. Un but d'une très grande pureté. Martini n'a pas vu le tir de Francescoli partir. Explication. Il a fait une course transversale après une touche et a mis ensuite une belle frappe en volée alors que j'étais un petit peu masqué par l'écran d'un de mes défenseurs. Voilà, et la balle est allée se loger sous la transversale, je crois, si mes souvenirs sont bons. Réaction auxerroise. Jusqu'ici, Kovacs, l'homme aux 17 buts d'Auxerre, a vu peu de bonnes balles traîner devant ses pieds. Sur ce centre de Coquart, Barret lui donne de la tête une chance, mais il rate un peu son retourné. Dommage pour Auxerre, l'égalisation pouvait survenir ici. Car sur ce corner contré par Tigana, Jean-Pierre Papin s'offre une descente en roue libre vers Martini. Catalano, sans ballon, a du mal à le rattraper. Il a aussi peur de commettre une faute près de la surface, voire dedans. Bruno Martini attend un tir en force. Papin joue tout en finesse. 2-0. Marseille se sent complètement libéré. Sur le ralenti, on voit JPP lever bien haut le bras comme pour équilibrer une frappe très forte. Et il surprend Martini en plaçant simplement cette balle. On est de réussir cette victoire sans trop avoir la pression. On jouait un peu décontracté. Et puis aujourd'hui, il fallait absolument gagner. Et c'est peut-être pour ça qu'on a si mal joué, je crois. Dans les dernières secondes, l'OM relâché, on l'a dit, sera sur le point d'inscrire un troisième but à l'issue de cette superbe action collective. L'on verra notamment Franck Sauzet, excellent hier soir, manquer d'un rien la cible pour avoir voulu trop piquer son ballon. Rousseau dégage un ballon d'oxygène vers un titre de champion. Même si mathématiquement tout n'est pas gagné pour l'OM, les joueurs s'y voient déjà. En Angleterre, je n'ai jamais gagné de championnat, alors pour ma première saison en France, ça serait bien. Et si nous faisons le doublé, ça serait mieux encore. Maintenant, si je gagne la Coupe du Monde, je pars à la retraite. Frédéric Jaillant, vous n'avez pas relevé un fait marquant dans cette 36e journée, mais un joueur marquant. Oui, un joueur marquant, c'est le terme tout à fait. C'est évidemment Jean-Pierre Papin qui a franchi, ça y est, c'est fait, le seuil des 30 buts, un seuil important. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va faire un petit retour en arrière avec un avant-centre que vous allez évidemment reconnaître, d'autant que son nom est marqué en haut. Ce n'est pas difficile. C'est Carlos Bianchi, le dernier à avoir marqué plus de 30 buts avant Papin en 78, 37 buts donc. Oui, mais Bianchi est argentin et il faut remonter à Hervé Revelli, il y a 23 ans, et oui, pour trouver un Français à plus de 30 buts, 31 exactement, avec Saint-Étienne en 1967.
C'était pas les pelouses. Alors, après la Coupe du Monde 86, Papin marque pour sa première année en France à l'OM 13 buts simplement. Il est 7e meilleur buteur. L'année suivante, en 87-88, il marque 19 buts. Pour la première fois, il finit meilleur buteur. Sa meilleure arme, déjà son pied droit, car sur ses 19 buts, il marque 17 fois du droit, une fois de la tête et une fois simplement du gauche. La saison dernière, encore meilleur buteur, mais toujours la même progression. De 19, il passe à 22. Papin devient patient et n'est plus seulement dangereux du pied droit. Enfin, cette saison, donc, déjà 30 buts et encore deux journées à disputer. Le moment peut-être de rappeler que le meilleur buteur français de tous les temps en championnat s'appelle Gondet. Avec Nantes, il avait marqué 36 buts il y a de cela 25 ans. Alors Jean-Pierre, ce record. C'est pas fini. Combien encore? 36, ça me paraît difficile, mais 32, ça serait bien. Oui. Enfin, pour terminer, voilà par sa victime le récit du dernier forfait commis par Papin, donc hier soir. Il est parti depuis le milieu du terrain, je crois, sur un contre qui lui était favorable. Donc, après une course de 35-40 mètres environ, il s'est présenté à la limite de la surface de réparation, alors que j'avais un défenseur qui revenait derrière lui. Et je pensais que celui-ci pouvait encore intervenir. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sorti sur Jean-Pierre. Ensuite, il m'a amorcé, à mon avis, d'une belle petite feinte. Et puis, il m'a mis le ballon au ras du poteau de l'autre côté, après m'avoir embarqué. Voilà, et si les deux dernières journées devraient donc permettre à l'OM d'être champion, elles pourraient également, sait-on jamais, permettre Roger à Jean-Pierre Papin, ici en gros plan, donc de battre ce fameux record de Gondet. Très bien. La synthèse, Jean-Michel Larquet, statu quo en tête, donc. Et puis derrière, ça se précise. Le statu quo en tête, cela dit, plus les journées avancent et plus c'est favorable à l'Olympique de Marseille, qui a deux points d'avance, qui a aussi une différence de but plus importante que celle des Girondins. Et puis, pour les places européennes, eh bien, on se bat, on pensait qu'Auxerre et le Paris Saint-Germain, qui étaient dans une phase ascendante, y arriveraient, puis ils ont été un petit peu stoppés hier, en tout cas voyons maintenant le classement et les résultats. Le classement, vous l'avez donc là, avec un Marseille qui a deux points d'avance, qui doit recevoir, vous le savez, Caen et Lyon. Monaco a fait la bonne opération grâce à ce but de Clément. Sochaux, Paris Saint-Germain n'ont pas tout à fait dit leur dernier mot. Dans le bas du tableau, Mulhouse a finalement autant de chances de descendre que Marseille d'être champion. Ça va donc très mal pour Mulhouse. Devant, le RP1 et Nice sont parmi les grands perdants de la journée et peuvent être inquiets pour leur avenir. Les buteurs, 30 buts pour Jean-Pierre Papin. Seul Bourchac apparaît maintenant à la troisième place avec 15 buts. Beaucoup de spectateurs puisqu'il y avait un long pont, mais il y avait du monde dans les stades. Deuxième division, groupe A, les résultats à signaler surtout les victoires de Nîmes et Strasbourg. Elles se conjuguent, Jean-Michel, avec la défaite d'Alès à Grenoble. Ce qui fait que Nîmes et Strasbourg seront barragistes. Grenoble, le Red Star et Monceau descendent. Et pourtant, Grenoble et le Red Star ont gagné hier, mais c'était trop tard. Alors nous allons nous arrêter maintenant sur la dernière journée du championnat de deuxième division dans le groupe B, puisque hier soir, trois équipes pouvaient espérer monter automatiquement en première division. Ça a été une soirée complètement folle. Nous vivons cela avec Frédéric Jaillant, Dominique Grimaud et Pascal Praud. Allons-y. Allons-y. La première, la seconde. Et c'est parti. Ça ne part pas. Blocage. Peut-être un petit coup de téléphone de monsieur Alain Join en régie pour nous dire ce qui se passe. Ah, on passe alors au résultat, on va attendre peut-être que la cassette arrive à destination. On va commenter ces résultats du groupe B, donc il n'y aura pas de suspense, mais vous les connaissez déjà. Voici donc le tableau des résultats de cette dernière soirée d'hier. Valenciennes pensait être montée avec ce but à Angers, mais Cano, dans la dernière minute à la dernière seconde, grâce à ce but, a permis à Rennes d'accéder directement en première division. Le palmarès, donc Rennes en première division, Valenciennes et Rouen pour les barrages, Lorient, Abbeville et Quimper descendent en troisième division. Le loto, alors là, rectificatif, c'est bien Bastia-Louhans-Cuiseaux, mais le match n'avait pas lieu à Bastia, mais à Louhans-Cuiseaux avec une victoire donc à domicile. Enfin, c'est très compliqué, mais il y a eu une erreur d'impression au niveau de la grille du loto sportif. Ils n'ont pas gagné alors. Non, 36-15, code TF1, résultat D1, D2, D3 et carré d'as. Vous avez compris pour le loto? Oui, j'ai tout compris. Oui, et vous savez quoi? Ça y est, on a les images de cette soirée folle d'hier. Alors, monsieur, qu'est-ce qui est aux commandes aujourd'hui? Hein? Il y a Bernard Flamand. Bernard Flamand, envoyez les images, pardon.
35, on joue depuis un quart d'heure à Angers. Angers est en blanc, Valenciennes en vert. Pour monter directement en division 1, Valenciennes doit obtenir le meilleur résultat. Sa différence de but est identique à celle de Rennes, mais Valenciennes possède la meilleure attaque. Un quart d'heure de jeu également à Lorient. Rennes est en rouge. Même obligation que pour Valenciennes, gagner absolument et avec le plus grand écart possible. Les Havrais en rouge doivent évidemment l'emporter, mais avec deux points de moins que Rennes et Valenciennes, ils espèrent une défaite de ces deux équipes pour accéder à la division 1. Et très vite, on est fixé. Au lieu de marquer, le Havre cède le premier et encaisse après 23 minutes un but de Dominguez. Le Havre est déjà pratiquement hors course pour la montée directe. À l'instant où le Havre perd ses illusions, Valenciennes garde toutes les siennes. La division 1 s'annonce bien pour les joueurs de Perroche, malgré, il faut le dire, une domination d'Angers. Toujours au même moment et comme Valenciennes, Rennes souffre, mais rien de joué. Le point maintenant, juste avant les mi-temps, 0-0 à Angers, Valenciennes est en division 1. Et le même score à Lorient à 21h15, toujours le même nombre de points également et la même différence de but entre Rennes et Valenciennes. Et puis 20 minutes de la fin maintenant à Lorient, les Rennais sont obligés de prendre les choses en main et Cano est bien prêt de marquer le but qui serait synonyme de montée. À Angers, même scénario qu'à Lorient, Valenciennes cette fois est passé à l'attaque. À Tours, dans le même temps, le Havre est définitivement distancé. Dominguez marque un deuxième but. 2-0 pour Tours et l'Argentin récidive 3 minutes plus tard. Du coup, le Havre n'est même plus barragiste puisque Rouen, sur son terrain, vient de marquer par Carlos Lopez et gagne face à Quimper. 22h, coup de théâtre à Lorient, tête de Serin sur un coup franc de Ribard, 1-0 pour Rennes, alors en première division. Georges Perroche, branché en direct, vient d'apprendre la nouvelle. Elle le laisse sans réaction. Mais 7 minutes plus tard, Valenciennes libère son entraîneur. Santos charge sur 30 mètres et donne le ballon du but à Ekeke, qui vient de rentrer. Valenciennes est en division 1. À Lorient, Kiruzori demande à ses joueurs de jouer le tout pour le tout. Tactique payante, à la dernière seconde, Fallet centre, le disait, reprend et balle de première division. Reprise, et oui, victorieusement par Jean-Christophe Cano. Rennes gagne 2-0, mais à Angers, ce n'est toujours pas fini. Réaction de Georges Perroche, allez, tous à l'abordage. Simultanément, Raymond Kiruzori demande le résultat de Valenciennes. Tous les joueurs se tournent vers lui, vers le banc, et soudain, la délivrance. Rennes en fête, Rennes en première division, c'est officiel, Valenciennes n'a gagné que par 1-0, moment magique. Le top but, le but que vous avez sélectionné lors de la 35e journée est un but du match Lyon-Toulon marqué par le Yougoslave Bursak. Nous allons voir si ce but entre ou non au top but avec Frédéric Jaillon. Bursak ne rentre pas dans le top but. La volée de Priou reste donc numéro 5. Elle avait reculé d'une place la semaine dernière suite à l'entrée de Kourou. Avait également rétrogradé il y a 8 jours le but du Niçois El Hadaoui. En effet, c'était à la 3e place que les lecteurs de France Soir avaient choisi de faire entrer le but du Stéphanois Thierry Kourou. Un but et une image effectivement de toute beauté. Après Kourou, numéro 2, l'événement s'est produit il y a 3 semaines, le but de Mingual, lequel a donc perdu sa première place. Le canois Mingual détrôné par qui? Eh bien par Amara Simba, un retourné réussi par l'attaquant remplaçant du Paris Saint-Germain, 14 secondes seulement après son entrée en jeu face à Mulhouse. Voilà, je tire rapidement le bulletin pour savoir qui a gagné. Le magnétoscope et la cassette de Pelé, l'homme aux mille buts. Et c'est monsieur Bengada de Paris qui gagne donc cette cassette de Pelé, l'homme aux mille buts, ainsi que le magnétoscope. On passe rapidement aux buts étrangers, Jean-Michel Larquet. On y va. Alors tout de suite, Bundesliga avec un match qui avait lieu, une journée plutôt de la Bundesliga qui avait lieu mercredi.
et qui a vu le sacre du Bayern Munich, le Bayern qui était en visite dans un petit quartier de Hambourg, Sampaoli, et but de son défenseur, de son arrière-gauche, Hans Fugler, à la suite de ce renvoi et de ce débordement. L'ami de François Bidault, Strunz, n'était que remplaçant. Yeah. Hans Fugler pour un nouveau titre de champion. 1-0, une marque qui aurait pu être doublée sur cette tête, mais le but suffisait au Bayern Munich pour être champion de RFA. Et nous allons à Cologne avec un festival Pierre Littbarski, Cologne en blanc qui recevait Hambourg. Ouf, ce n'est pas terminé, il frappe, le gardien renvoie, il pense que c'est terminé. Et attention, ficelle, but d'Ordenevitz. Le gardien Richard Goltz va avoir encore des petits soucis sur ce but de Götze. À la 73e minute, le Bayern est champion, Cologne, Dortmund, Francfort et Leverkusen sont bien placés pour l'UEFA. Et celui-ci, c'est Thomas Hassler que vous verrez sous le maillot de la Juventus l'année prochaine. Bayern donc champion. Et puis, des images émouvantes. Cet enfant, cet homme qui pleure, c'est Sheffield Wednesday qui descend en seconde division car Luton est allé s'imposer à l'extérieur. Et puis des images de deux clubs qui nous intéressent plus particulièrement. Manchester United, but de Pallister face à Charlton. Et Crystal Palace qui recevait Manchester City. Pourquoi ces deux clubs nous intéressent-ils tant? Oui. Et tout simplement parce que nous allons les retrouver samedi à 15h en direct sur TF1 pour la finale de la Cup. C'est l'un des grands événements du football international avec un coup franc extraordinaire de Gray. 2-0 pour Crystal Palace. Crystal Palace qui devra pourtant concéder le match nul à la suite d'un pénalty de Allen et d'un but égalisateur de Quinn. 2-2. Nous les retrouverons donc samedi, ces deux équipes, Manchester United et Manchester et Crystal Palace. Liverpool est champion, Sheffield, Charlton et Millwall sont relégués en division 2. Voilà, et Bruges est champion de Belgique. Exact. Voilà, on a fait le tour du football étranger. Au programme cette semaine, il y a la finale de la Cup, comme le disait Jean-Michel, samedi. Et puis il y a un match mercredi, Jean-Michel Frédéric. Nous serons à Göteborg pour Sampdoria de Gênes, Anderlecht. Voilà, et bien, je crois qu'il est temps maintenant de nous quitter en vous précisant que les images du générique que vous allez voir sont les images du tournoi des Black Stars qui réunissait les sélections du Gabon, de la Guadeloupe et de la Martinique. Dans un instant, 7-7 avec comme invité Pierre Jox aux côtés d'Anne Sinclair, à qui nous faisons volontiers, comme d'habitude, une grosse bise. Ainsi qu'à Pierre Jox. Oui, ainsi qu'à Pierre Jox. Passez une très très bonne soirée. Au revoir et à cette semaine. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana.